Bonjour et bienvenue dans ce comparatif dans lequel nous allons voir les trois meilleurs réflecteurs de chaleur pour radiateur. Il s'agit en fait d'un isolant thermique que l'on va mettre derrière son radiateur et ainsi ça permettra de mieux propager la chaleur. Avant de commencer, sachez que vous retrouverez tous les liens de chacun des produits en description de la vidéo. Et on attaque avec le numéro 1 de cette sélection. Il s'agit d'un réflecteur de chaleur de la marque Superfoil et celui-ci fera 5 mètres x 60 cm. Le gros avantage, c'est qu'il va s'installer facilement. Vous allez pouvoir le couper avec un ciseau, avec un cutter, et ainsi l'adapter parfaitement à votre radiateur. Vous l'aurez compris, donc on l'installe bien sûr derrière un radiateur. Et c'est un produit très léger, donc facile à manipuler. En tout cas, les clients le trouvent excellent, se découpe facilement, efficace. Et il est noté 4,3 étoiles sur 5 pour plus de 6000 évaluations. Donc franchement, celui-ci est de très bonne qualité. Pour en savoir plus, il s'agit donc du numéro 1. En description, le numéro 2 de cette sélection, il s'agit d'un isolant thermique de la marque Vounot. Et pour les dimensions, il va faire 60 cm par 10 mètres de long. Donc pareil, vous allez pouvoir le couper à la dimension de votre radiateur, de vos radiateurs. Le gros avantage, c'est que là, vous allez pouvoir en faire plusieurs avec celui-ci. Au niveau de l'utilisation, ça reste simple. Vous allez pouvoir le découper avec un ciseau également. Après, je ne vous cache pas que celui-ci est légèrement plus cher par rapport au premier. Mais bon, c'est normal car il y a deux fois plus de matière. Donc si jamais vous n'avez pas énormément de radiateurs, eh bien je vous conseille de partir sur le premier. Et si vous avez plus de radiateurs, n'hésitez pas donc à prendre celui-ci. Et on pourra d'ailleurs s'en servir même pour isoler par exemple une porte, un chauffe-eau, etc. Donc ça reste très polyvalent. Et le numéro 3 de cette sélection, il s'agit d'une plaque d'isolation thermique pour radiateur de la marque Volila. Alors celui-ci, on va retrouver plusieurs dimensions du 5 mètres x 40 cm, 10 mètres x 40 cm ou du 5 mètres x 60 cm. Et pareil, c'est un produit très très bien noté, 4,6 étoiles sur 5 pour plus de 60 évaluations. Il aura celui-ci une épaisseur de 4 mm. Pour comparer, donc celui d'avant faisait seulement 3 mm. Donc il sera légèrement plus épais. Après pareil, il aura donc comme fonction de renvoyer la chaleur. Et vous viendrez l'installer derrière le radiateur. Et ainsi, ça permettra de bien dissiper la chaleur, de bien la renvoyer. Les clients le trouvent simple à poser et également de bonne qualité. Donc ça, c'était pour le numéro 3. À retrouver également en description. Vous pouvez d'ailleurs l'installer et le coller avec du scotch double face par exemple. Au moins vous êtes sûr qu'il ne partira pas. Et comme je vous ai dit, donc vous avez tous les liens en description de la vidéo pour en savoir plus. Si jamais donc vous souhaitez voir plus de caractéristiques, voir les prix, comparer et pourquoi pas en commander un, sachez que vous pouvez renvoyer le produit sous 30 jours si jamais il ne vous convient pas. Et tout cela gratuitement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.